Rosine est dans ta chambre avec un homme. Pardon? Ce n'est pas tout. C'est Rosine qui a mis cet enfant dans cet état. Rosine l'a frappé jusqu'à ce qu'elle s'est évanouie. M'a ménagé dans ma chambre avec un homme. Je vous aime voir. Et en plus, il a frappé sur ma fille. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, tu peux prendre place. Merci. Bérénice! Viens, s'il te plaît. Là, c'est Rosine, votre maman. Rosine, je te présente mes enfants. Mais je n'ai pas beaucoup de temps et je veux une personne de confiance pour rester avec mes enfants. Ne vous inquiétez pas, madame. Au village, quand j'étais au village, je prenais soin de tous les enfants du quartier. Non, vous voyez comme une mère poule. On m'appelle toujours la mère poule, madame. Non, ne vous inquiétez pas, vos enfants sont dans les bons même. Confiance. Non, pas de problème. Et je voudrais savoir vous me donner les horaires. Quand est-ce que vous rentrez? Quand est-ce que je vais prendre le service? À quelle heure je rentre et à quelle heure je commence? Ah non, moi je commence au travail à 6h. 6h, je suis partie et je rentre à 18h. Ah d'accord, pas de problème, madame. Il faut commencer. Oui, vous pouvez me faire confiance. Je veux vous montrer la chambre des enfants et votre. Oui, madame. D'accord. Allons-y. Ah, oh, ok. D'accord. Bonjour maman. Ça vient dormir. Oui, maman. J'attends mon couloir comme ça. Ok. Entrez. Bonjour madame. Ah, Rosine, depuis que je t'attends, je suis déjà en retard, vraiment en retard. Désolée madame, il y avait les embouteillages. Ok, moi j'ai pas le temps, Rosine. Donc je te laisse avec les enfants. Allez, on s'arrête de nous. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour madame. Et vous là-bas? Et bien vous? C'est quoi? On parle de vous, vous regardez l'autre, vous regardez quoi? Désormais ici vous m'appelez Tata Rosine. Dites vite. Tata Rosine. Tata Rosine. Et quand tu me regardes pas dans les yeux, tu regardes au sol. Tata Rosine. Votre mère, vous voyez quoi? Restez là-bas comme ça. Je vous aime voir avec les yeux. C'est quoi maman qui avait nettoyé tout ça? Je suis venue ici pour elle. Quel genre de femme qui est ça? Oh! Regarde au sol! Je ne vous ai pas demandé de ne pas vous asseoir ici. J'ai dit que vous restez debout, non? Ne me regarde pas, baisse tes yeux! Allez me laver les assiettes là. Pardon. J'ai dit pour partir me laver les assiettes là à la cuisine. Moi je ne sais pas laver les assiettes. Tata, c'est toi qui dois laver les assiettes. Du coup, non, ne fais pas. Elle me parle le français, juste qu'elle me pointe le doigt. Je respecte. Les enfants bonbons. Levez-vous de là. Je vous demande de vous lever. Mettez-vous d'abord à genoux ici. Ici. Mettez-vous à genoux. À partir d'aujourd'hui, ce que je dis, vous faites. Est-ce que je me suis fait bien compris? Bon, est-ce que je me suis fait bien compris? Voilà. Ce que je dis, vous faites. Dès que votre mère sort de cette maison, elle ne donne plus les ordres. C'est moi qui donne les ordres. Et si vous me trahissez à votre mère, je te tue. Est-ce que tu as compris? On ne va jamais trouver ton corps. Pareil pour toi. Tu me connais. Est-ce que tu me connais? Je suis une inconnue qui sort de nulle part. Donc faites, perdez votre route avec moi. C'est même les enfants quoi comme ça. Puisqu'elle me tend le doigt, moi. Papa, je prends pour moi. My friend, tu t'as pas ma part. Moi, je me dis, don't do this. J'ai les familles. Jemima! Viens, viens! Elle te commande. Elle te commande.
Viens, masse mes pieds d'abord. Je vais aller que tu casses mes pieds, masque doucement. Écoute-moi très bien. Il est à 19h. T'as même pas encore rentré. Si elle vient et que tu dis que je vous ai maltraité ou que je vous ai tapé, tire bien tes oreilles comme ça là. Tire bien tes oreilles. C'est que toi tu auras affaire à moi. Est-ce que tu as compris? Même toi tu t'assois, ta mère va bientôt rentrer. Tata, on n'aime pas marier le matin, on a faim. Et puis quoi? Si tu ne maries pas, tu vas mourir. Je suis allée faire 4 jours sans manger. En fait, c'est 40. Tu connais plus la Bible que moi. Tu connais plus que moi. Hein? Les assiettes sont bien lavées, non? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Je vais partir. Donc, du coup, demain matin à 6h. D'accord, merci beaucoup. Vas-y. Merci. Je vais mettre la fille comme ça. Oui. Ça va, ma chérie? Ça va. En fait, j'ai oublié mon téléphone. Ah, ok. Bye. Bye. Ok. Quelle est femme? Jesus! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Jesus! Non, ça va? Vas-y, dis-moi. En fait, Tata Rosine nous a frappé. Écoute, ma chérie, je suis très fatiguée. Non, mais maman, je vais parler avec elle demain matin. Ok? Où est Jérémy? Elle dort. Bonjour, madame. Ah, Rosine, c'est comme si elle a la stop, j'attendais. Bon, moi, je te laisse à moment. D'accord, madame. Bonne journée. Ah, tiens, Rosine. Dernier, ce qu'on dit que tu l'as frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. En fait, madame, moi, je ne frappe pas les enfants. Je sais qu'elle a fait quelque chose et je l'ai un peu poussée comme ça. Comme elle n'a pas l'habitude, peut-être on la touche ou quoi que ce soit, elle a peut-être pris ça comme si. D'accord, ok, pas de soucis. D'accord. Bon, je te laisse à la grande soin de mes enfants. Merci beaucoup, okay, madame. Bye-bye. Bérénice! Bérénice! Donc, tu veux défier mon autorité, n'est-ce pas? Tu veux défier mon autorité? Qu'est-ce que je t'ai dit? Donc, tu as eu le toupet de partir me trahir chez ta mère. Tu n'as pas peur de moi. Donc, quand tu me regardes comme ça, tu n'as pas peur de moi. C'est ici que votre enfer commence. Va m'appeler ta petite soeur. Dépêche-toi. En rentrant, tu me slap. Merde. Tu as commis l'erreur et même ta soeur va subir. La ceci, passez-moi juste là-bas. Lève-toi pas là. Lève-moi bien là. Bon, allez, terminez ça. Merde. Vous montrez que vous êtes trop fort. Vous allez rester comme ça jusqu'à ce que 19 va arriver quand votre mère va rentrer. Et trahissez-moi encore. Je vous ai dit que vous vous tapez, je vais vous tuer. Et quand nous sommes nés là, papy pauvre, on meurt. On meurt. Nacho. Votre mère va s'occuper de vous. Moi, elle m'occupe. Votre petit déjeuner là, elle va prendre, tu viens avec. Fais vite. Ce n'est pas moi qui t'a trahi. Oui, c'est ta grande soeur qui m'a trahi. Et tu subis avec elle. Vous avez le même sang, non? Vous avez le même sang, non? Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle commet l'erreur, toi aussi tu vas. Belle. Écoute, Charlie. Thank you.
Donc, tu restes comme ça. Tu me trahis à ta mère. N'est-ce pas? Tu me fais le bras de faire avec moi. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage. Aujourd'hui, si vous allez me respecter, pleure, pleure bien. Si tu pleures, c'est toi qui vas tomber malade. Donc tu as le père de partir déjà ta mère et de vous être tapé. Alors que je t'ai dit que si tu venais, elle était tuée. Tu vas mourir. Tu vas voir. Donc, tata. Ah! Donc, toi, tu m'appelles tata. Ta voix est sortie. Tu ne vois plus. Bah, ouais, ça, c'est fini. Maman, tata. Maman, tata. Oui, ta mère vous abandonne. Elle fait une inconnue. Elle prend soin de vous. Mais n'est pas ma famille qui prend soin de vous. Pardon, tata, moi aussi. Non, maman, maman. Pardon. Ne parlez plus quand il mange. Ne m'interrompez plus. Tu es ça. Hé, vais te foutre ici. Tu vas me trahir sur ta mère. Tu vas encore me trahir. Tu vas encore me trahir. Allez, tu vas me trahir. Vous êtes confiné. Je suis ici avec vous. Je vous ai dit non. Je vais voir. H24. Pas. Une vieille mère comme ça, tu ne vas pas vous parler. Ah, tata, on m'a fait le oui. C'est un pardon. Et ma problème, là, c'est quoi? Hein? Arrête ma larve de crocodile, ça ne change rien. Donc, moi, je ne mets pas la bonne nous. Elle met la salade, elle met ma chine. Pourquoi vous mangez? Moi, me donne rien. Malade, ça, les autres. Le jour où vous allez encore me trahir, ce sera fini. À fermer ta bouche, tu ne me connais pas. Tu veux être fini ici. Tu fais le droit de ça avec moi. S'il te plaît. Tu pensais que vous allez me chasser. Je suis votre totem. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Les plans qu'elle fait pour ne pas se mettre à l'eau. Hey, lève-toi. Dieu les femmes. Lève-toi, toi. Toi comme ça là. Lève-toi. Lève-toi. Tu veux te taper ici. Pas pour suivre moi ça. Et tu m'as dit là, m'emballer ça. Pas pour. Reste là, elle va se réveiller. Elle fait les plans. Elle va se réveiller. Donc tu faisais semblant. Tu faisais semblant avec qui? Lève-toi. Dieu de famille. T'as fait ça quoi? T'as même donné l'argent pour la vie à l'hôpital.
Elle a besoin de se reposer. Hey, j'ai mon ami, mon gars, qui est venu ici là. Donc tu pars là-bas dans la chambre, tu t'occupes de ta petite soeur. Vous restez dans la chambre là, vous ne sortez pas. C'est ça mon truc. Je respecte. Vas-y. Dans la chambre de maman. Et en plus, ce sont ses vêtements. On n'a pas le droit de porter ça. Tu vas me dire ce que je vais faire. Hein? Tu me parles le français. Hein? Sors ici! Te réponds tout. Attends, si ta mère vient, tu ouvres ta bouche pour dire que j'ai touché ces choses. Te réponds dans cette maison. Va se faire sauver ta soeur là-bas. Dieu est une famille. Mets-toi à l'aise. D'accord. Je fais comme sur moi. Comme ça, là, on commence non. Parce que, il faut pas que 18h nous trouve un peu ici. Je dois aller voir ma grand-mère. Tu dois aller voir ta grand-mère. Oh, je suis un peu fatigué. Tu sais que j'ai trop marché. Il y avait le soleil qui est en la voie des hommes. Laisse-moi me reposer un peu. Ok, disons au moins 10 minutes comme ça, là, 5 minutes. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est malade. Qu'est-elle? Elle brûle de fièvre, Seigneur. Ça, ça peut être. Maman m'a dit que vous avez une nounou. Elle est où? Elle est dans la chambre de maman. Tu es quoi dans la chambre de maman? Elle est là-bas avec un ami. Un ami comment? Un garçon. Un garçon dans la chambre de ta mère. En fait, elle est dans cet état parce que Tata Rosine l'a battue. Tata Rosine, c'est qui déjà? En fait, elle nous maltraite depuis que maman l'a engagée ici. On souffre, elle nous bat, elle nous laisse sans manger. Et présentement, elle est dans la chambre avec son amie. Elle a dit qu'on ne sortait pas d'ici. Allô? Oui, Maria, tu es où? Tes enfants vont mourir. Si tu fais quoi là-bas? Marche vite, tes enfants vont... Marche vite, marche vite. Ça ne va pas, ça ne va pas. Va me descendre pour la chaîne avec une des pièces. Ça va. Une ménagère qui est dans la chambre de la bonne. Hey, papa, je vais te voir. Ta fille est gravement malade, ça ne va pas, elle brûle de fièvre. Elle est malade, Rosine m'appelle pas. Rosine est où? Rosine est dans ta chambre avec un homme. Pardon? Ce n'est pas tout. C'est Rosine qui a mis cet enfant dans cet état. Rosine l'a frappé jusqu'à ce qu'elle s'est évanouie. M'a ménagé dans ma chambre avec un homme. Je vous aime voir. Et en plus, il a frappé sur ma fille. Seigneur. Voici! Alors, chérie, tu t'es assez reposé, non? On fait. Non, voici. Ce que tu fais quoi dans ma chambre? Jesus. Lui, c'est qui? Madame vous a pas appelé à Kounia Banane. Tu l'as fait. Lui c'est qui Rosine? Juste son petit ami. Non Rosine, oui. Je te paye pour que tu viennes prendre soin de mes enfants. Et toi tu veux les maltraiter. Et tu fais de ma maison un bordel. Lui c'est qui? C'est pas ton vêtement ça. En plus ça mon vêtement c'est toi. Ça mon vêtement c'est toi Rosine. Maman. Ça mon vêtement c'est toi Rosine. Et bien c'est sûr, sur mon lit. Lui c'est qui? Appelle la police. Maman. Pourquoi tu restes là? Tu ne bouges pas. Personne ne bouge ici. Appelle la police, s'il te plaît. Pardon, ça me concerne. Tu fais, moi, je laisse ma voix. Tu frappes les enfants, Rosine. Je me concerne. C'est pour les nous choisir. Non. Tu frappes les enfants, Rosine. Rosine, ma fille. Le bateau travaille. Je t'ai laissé me contenir mes enfants, mes trésors. Pour que tu prennes soin d'eux. Et pas. Rosine. Quand tu m'attraites mes enfants, je te donne mes enfants, je te donne mes trésors. Donc ce que tu fais, tu fais ce que les nous entendons souvent, les nounous m'attraient des enfants dehors là. Tu es venu faire ça sur moi, Rosine, mes trésors. Mes trésors, Rosine. Sur mon lit, Rosine. Avec un homme, je te paye, je te fais confiance. Je te donne mes enfants. Mes trésors, Rosine. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Il faut qu'on dénonce ça. Gros, parce que j'ai beaucoup entendu de nous qui massacrent tes enfants. Et toi, tu viens faire pareil chez moi. Rosine, tu es le diable en personne. Tu es le diable en personne. Il n'y a pas de pardon qui tient. La police est où? La police arrive. Non, tu restes là. Tu restes là, Rosine.
tu vas payer pour tout les enfants déjà. Tu vas payer pour toutes ces personnes qui frappent les enfants, qui menacent les enfants, qui les maltraitent. Tous ces nounous qui maltraitent les enfants, tu vas payer. Tu vas manger les de madame qui tient Rosine. Il n'y a pas de madame qui tient Rosine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, surtout à toi. Soit tu es venu vraiment pour m'expliquer le problème, mais je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas écouté comme une mère doit écouter son enfant. Je demande pardon à vous deux. Prochainement, et à partir d'aujourd'hui, je m'occupe personnellement de vous. Et j'essaie de m'aménager dans mon boulot pour avoir du temps pour vous. Ok, maman. Mais maman, on n'a pas besoin du nounou. Je suis assez grande pour m'occuper de ma petite sœur. Il faut juste que tu m'apprennes certains trucs. Il n'y a pas de souci, ma chérie. C'est avec plaisir que je vais t'apprendre beaucoup de choses. Maman, on t'a déjà pardonné. Ne sois pas triste. On va toujours t'aimer. Merci, maman. Merci, je vous aime aussi.